Nous reprenons en péninsule coréenne où la République populaire démocratique de Corée a confirmé le lancement réussi mercredi d'un missile balistique. Le lancement de ce missile nommé Pugongsong a été supervisé par le dirigeant du pays, Kim Jong-un. Celui-ci a déclaré que ce test a prouvé que la RPDC avait, je cite, rejoint le rang des puissances militaires entièrement équipées de capacités nucléaires d'attaque. Fin de citation. Il a par ailleurs critiqué les exercices militaires conjoints en cours entre la Corée du Sud et les États-Unis. Il a souligné que la partie continentale des États-Unis et ses bases militaires situées dans la région Asie-Pacifique sont maintenant à portée de tir de la RPDC. Le ministère sud-coréen de la Défense avait signalé le tir de missiles balistiques sous-marins lancés par la RPDC à environ 5h30 heure locale mercredi au large de la ville portuaire orientale de Simpo.